suis Amour Bekale, natif de la province du Moyen-Ogoué, donc des deux départements, de père et de mère. De père Ogoué-Lac, de mère Abanga-Bigné, donc une part Bengué et d'autre part Ebel-Abanga. Je suis père de trois enfants, marié, et je travaille également dans un conseil départemental de la place du Gabon. Ça fait déjà plus de 12 ans. Qu'est-ce que je veux dire de moi? Je suis diplômé dans le domaine de la gestion du personnel et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis manager d'une entreprise que je détiens depuis pratiquement 3 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis leader d'association et leader d'opinion, bien évidemment. Voilà, ça c'est ma personne, de tout ce que je peux dire de moi pour ceux qui ne le savent pas déjà. C'est une initiative louable. Notre pays a sombré pendant plus de 56 ans dans une situation chaotique que l'on ne peut dénoncer. Et nous voulons déjà au passage féliciter les forces de défense de sécurité qui ont pris leurs responsabilités en tant que citoyens. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on parle du patriotisme, c'est la notion de protéger le pays de l'intérieur comme de l'extérieur. Et beaucoup de Gabonais n'ont pas encore appréhendé cette notion. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité en tant que citoyens de protéger notre pays, même contre nous-mêmes. Et je pense que c'est l'initiative que les forces de sécurité et de défense ont bien prise. L'annonce du dialogue national était pour nous une façon de permettre aux Gabonais de se retrouver, de pouvoir échanger entre eux, de discuter autour d'une table, afin de trouver des solutions qui vont faire en sorte que notre pays avance. Moi, personnellement, je suis satisfait de l'initiative, mais il n'en demeure pas moins que notre pays est l'un des rares pays au monde à toujours discuter. Nous avons toujours discuté les accords d'Angonjé, les accords d'Arambo, les accords de Paris. Il y a toujours et toujours eu la question de discuter entre nous. Mais moi, je n'ai jamais pensé que cela a toujours été un souci pour les Gabonais. Pas du tout. Le souci ne venait pas du fait de discuter. Le souci venait du fait de l'applicabilité des décisions qui sont prises autour d'une table. Aujourd'hui, il y a plusieurs décisions, propositions qui ont été faites. Ce sont des propositions louables. Entre autres, qu'est-ce que les Gabonais veulent? C'est le bien vivre, le mieux vivre, être en sécurité, pouvoir se vêtir, pouvoir manger, pouvoir se faire soigner, pouvoir apprendre, pouvoir travailler. C'est la moindre des choses. Vivre un développement harmonieux, c'est ce que nous attendons. Maintenant, la question est de savoir quels sont les instruments, les mécanismes qui vont se mettre derrière pour mettre en exergue ou à mettre en évidence ce qui a été proposé. C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Les gens pensent qu'aujourd'hui, ce qui a été fait... Moi, je dis non, ce qui a été fait est très bien fait. Maintenant, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le premier exercice. La petite particularité dans cet exercice, c'est que nous avons eu la participation inclusive de la... On va dire ça comment, des gardiens de la morale, donc l'Église. Avant, l'Église était comme observatrice. Mais cette fois-ci, nous avons vu l'implication directe de l'Église dans la chose de l'État. Et je pense que c'est déjà des avancées. Et il faut féliciter et remercier déjà l'Éternel, notre Dieu, qui a rendu possible ces moments. Il faut que le peuple gabonais sache que l'Église est le gardien de la morale. Donc quand l'Église s'implique dans quelque chose, nous pensons que cette fois-ci, c'est la morale qui va primer au détriment de nos besoins et nos envies personnelles. Et nous croyons fermement, moi personnellement en tant que chrétien, je crois fermement aux personnes qui ont été mises en évidence pour conduire ce dialogue, le Monseigneur Ibaba, entre autres le révérend pasteur, Georges, révérend pasteur Gaspard Obiang, qui je connais la véracité de l'homme, qui est pleinement engagé dans ce processus et dans le combat du Gabon. Donc aujourd'hui pour moi, le voir dans l'implication de ce dialogue proprement et impliqué personnellement, me donne un espoir. J'en souris un tout petit peu parce qu'il n'y a pas longtemps de cela, M. Frédéric, j'ai fait un direct tout en expliquant parce qu'après l'intervention de l'ancien Premier ministre, que je salue au passage, Paul Biyogemba, respect à lui, c'est un papa, c'est un grand frère, c'est un père pour tous les Gabonais. J'en souris un peu parce que quand je regarde la motivation ou alors les motivations qui sont mises en évidence par les membres du Parti démocratique gabonais, j'en ris. Pourquoi ? Le Parti démocratique gabonais a gouverné le Gabon pendant près de 56 ans. Nous parlons de 56 années, donc près de 60 ans. Quel est le bilan ? Le Gabon, parmi les pays les plus riches au monde, le Gabon fait partie de ces pays-là. Et quand nous regardons certains pays qui n'arrivent même pas le Gabon à la cheville, être développé, être en avant, avoir une structuration qui ne dit pas son nom et comparativement au Gabon, mais c'est triste.
Moi, je dis, les conclusions du dialogue ne sont là que... Moi, il y a eu beaucoup plus de magnanimité. Je parlerai de générosité des Gabonais. Et c'est une preuve même d'ailleurs de dire que les Gabonais s'entendent entre eux, les Gabonais se pardonnent facilement et les Gabonais s'acceptent facilement. Cela aurait été dans un autre pays. Je pense que dissoudre le Parti démocratique gabonais devait être une idée salutaire déjà pour eux-mêmes, parce qu'il faut préciser que ce sont des Gabonais eux-mêmes. D'accord ? Ce sont des Gabonais. Je ne sais pas s'ils ont apprécié la gestion de ce parti pendant 56 ans. S'ils l'ont apprécié, certainement on n'avait pas le même regard. Donc aujourd'hui, le dissoudre, c'est une très bonne chose. Et ce que je vais aller plus loin. On parle de la proposition qui est de mettre en évidence l'illégibilité de certains de ces cadres. Mais je dis, une élection, c'est ma foi. C'est comme si on disait à un joueur qui a joué près de 80 minutes, vous n'avez pas produit. Et on vous met au banc pendant les 10 minutes restantes et vous vous plaignez. Je dis, c'est de la mauvaise foi. Et nous comprenons aisément que voilà, c'est la nature des personnes qui ont géré ce Gabon. Et ça continue. Et nous espérons tout simplement qu'avec la grâce de Dieu, Dieu touchera leur cœur. Parce que nous pensons bien évidemment que ce n'est que Dieu qui a la capacité de changer les cœurs des hommes. Parce qu'à ce niveau de vie, je ne voyais pas les membres du Parti démocratique gabonais sortir au front après avoir certains pas mieux être députés pendant plus de 30 ans, être ministre pendant plus de 22 ans. Mais c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, parler d'une suspension, l'illégibilité pour un seul mandat, une seule élection, je crois que ça devrait être salutaire pour eux. Et ça devait être un bon moyen d'observer les failles qu'ils ont pu avoir et peut-être dans 7 ans rebondir. Mais qu'est-ce qu'on appelle démocratie, Monsieur Frédéric? Regardez les pays où il y a de la démocratie. Le PDG a piloté le Gabon pendant plus de 56 ans. C'était quoi le projet de la démocratie? Quand vous avez sur 120 députés, vous en avez 110, sinon 125 et 119. Vous pensez que c'est la démocratie? Non. Quand vous avez pendant plus de 50 ans, les premiers ministres ne sont que les membres de même parti, c'est ça la démocratie. Quand vous avez un Sénat qui a 99% PDG, c'est ça la démocratie. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, demander à ce que tous ces partis alliés soient dissous, vous savez, dans le domaine de loi, moi je ne suis pas un homme de loi, mais il m'arrive quand même de lire en tant que délégué syndical, lorsqu'il n'y a pas de différence entre celui qui a volé et le receleur. Ou alors, quand quelqu'un a participé à une action. Toutes ces personnes ont participé à cette action. Beaucoup étaient alliés au PDG, non pas par conviction. Ils étaient alliés au Parti démocratique gabonais parce qu'ils étaient convaincus qu'il suffisait d'être du Parti démocratique gabonais pour jouir pleinement, et on va dire ça comment, scrupuleusement, des biens du Gabon. Pourquoi certains d'entre eux étaient des ministres? Ce n'est pas parce qu'ils étaient les plus intelligents, ce n'est pas parce qu'ils étaient les plus intellectuels, ce n'est pas parce qu'ils avaient un cursus scolaire comparativement aux autres, non. C'est parce que le PDG était dans un agglomérat où celui qui était avec lui était systématiquement son ami. Et l'amitié dont on parle aujourd'hui, c'était une amitié d'intérêt. Donc le Gabon n'était pas gagnant. Rien n'était pour les Gabonais. Tout était pour eux et rien que pour eux. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat de personnes. Je rentre dans le débat d'idées pour dire, moi, j'ai été pendant longtemps, je suis né, ça fait longtemps que je vote et que je mène ce combat. Pourquoi je n'ai jamais adhéré au Parti démocratique gabonais? Ma foi, il y a eu des propositions qui sont arrivées de part et d'autre, mais j'ai une fibre patriotique qui est pour moi, je n'arrive pas à l'expliquer. C'est-à-dire quand je vais hors du Gabon, quand je parle du Gabon, je sens comment mon cœur, mon âme frissonne. C'était ça mon combat. Et aujourd'hui, voir ce qui est en train de se passer, c'est de se dire, est-ce que nous sommes capables? Mais il faut comprendre aussi que quand on vous dit vous êtes légible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres Gabonais à part vous. N'est-ce pas? Il y a bien des Gabonais qui seront là, qui seront des candidats, qui vont se présenter. Il n'y aura plus d'opposition ni de la majorité. Il y aura des Gabonais qui vont aller au front. Et il sera question de parler d'idées et non de parler d'idéologie d'un parti qui était pour moi une secte. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Le PDG n'avait rien d'un parti parce qu'un parti, c'est animé d'une volonté non seulement de conservation de pouvoir, mais mettre en évidence le bien-être de sa population. Ça n'a jamais été le cas. Mais bien sûr! Je suis désolé, cher papa Manganga Moussavou, je vais peut-être vous frustrer un peu, mais c'est de bonne guerre, cher père, avec tout le respect que je vous dois. Quand je regardais, par exemple, la configuration du PSD, mais s'il vous plaît, monsieur le journaliste, j'en riais un tout petit peu. Moi, j'ai failli travailler une fois avec mon cher papa, c'est pas mon aîné, c'est mon père. Mais fort était de constater que la tête, c'est lui, le corps, c'est lui, les membres, c'est lui, et les pieds, c'est lui. Mais sinon, ça, c'est pas un parti, il y a un parti politique.
Techniquement, quand vous parlez d'un parti politique, on doit parler de la représentativité dans les 9 provinces. Chaque Gabonais, même s'il n'y a pas d'élu, mais chaque Gabonais devrait retrouver ce parti au sein de sa localité. Mais un parti qui n'a qu'un seul élu, des partis qui n'en ont pas, même pas un conseiller municipal. Mais, monsieur le journaliste, je suis désolé. Vous m'avez parlé de démocratie tout à l'heure. J'en ris un peu. Quand un parti politique fait plus de 30 ans, il existe de nom, il n'a même pas un élu local. C'est quoi le projet derrière? Et à la fin, on se rend compte que c'est un parti allié au PDG. Vous comprenez aisément que c'est un groupe de personnes, d'amis, qui s'est composé et ils attendent des élections pour aller vendre leur soi-disant popularité auprès de leur papa, qui était le PDG. Non, c'est une idée louable. Il faut dissoudre toute cette plaisanterie-là. J'ai appelé ça plaisanterie. Ce ne sont pas des partis politiques, c'est un groupement d'amis qui s'est retrouvé autour d'un verre. Et comme le Gabon était dans cette période-là, le défunt président Omar Bongo, paix à son âme, il voulait tellement la paix qu'à un moment, la paix a fini par le noyer. Donc, tout le monde pouvait sortir et se dire prévaloir d'avoir un parti politique. Même mon association est plus représentée que certains partis politiques gabonais. Vous trouvez mon association dans le Moyen-Ogoué, à l'Est-Tuyer. Vous nous trouvez dans le Wellington. Vous trouvez mon association dans le Gouet-Maritime. Mais il y a certains partis politiques qui n'étaient pas capables de le dire. Donc, un minimum de sérieux. Et je crois que quand on veut construire un État, on doit construire un État avec des valeurs, avec le sérieux et avec l'engagement. Et surtout derrière la fibre patriotique, j'insiste sur la notion de la fibre patriotique. Parce que quand on aime son pays, quand une situation vous dérange, vous devez comprendre que votre intérêt ne prime pas au-delà de l'intérêt de la nation. Mon combat, je ne vais pas parler de changement, je vais parler tout simplement, il a été alterné, il a essayé d'être dilué. Qu'est-ce que j'entends par diluer? C'est-à-dire que si j'avais un engagement d'opposant, aujourd'hui je n'ai plus d'opposant, je ne suis plus opposant. Puisque je ne m'oppose à personne, le Parti démocratique qui était le parti qui ma foi, me secouait véritablement n'est plus là. Je n'ai plus d'opposant. Je suis un citoyen gabonais qui va s'engager pour les actions gabonaises et pour les Gabonais. Donc moi personnellement aujourd'hui, je ne suis plus opposé à quelqu'un. Les militaires, ils ont un statut, on sait pourquoi ils sont là, ils savent ce qu'ils ont à faire, après ils vont retourner dans les casernes, et puis on va continuer le combat, on va continuer la lutte. La lutte que nous aurons cette fois-ci, cher monsieur, ce sera la lutte pour le développement du pays. Il faut insister là-dessus. Moi, en tant que Gabonais aujourd'hui, je ne serai pas battu, bien évidemment, si j'y vais, si mon adversaire fait du bon travail, je dois être capable de dire « oui, eh bien la Banga, il manquait de l'eau ». Grâce à ses plaidoyers, grâce à son engagement, il a pu discuter avec le ministre de l'énergie. Et aujourd'hui, nous avons l'eau et belle. Bravo à lui. Et je suis prêt à accompagner ce genre d'individus. Donc aujourd'hui, il sera question du Gabon d'abord et non des individus d'abord. Alors malheureusement, beaucoup de personnes ne prennent pas souvent la peine de lire les médias écrits. Moi, j'ai fait des plaidoyers. Je le dis avec beaucoup de pincettes. J'aime bien ma province, j'aime mon pays. Je dis, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Le chef de l'État fait une tournée républicaine, il veut visiter tous les Gabonais. Et quand je regarde le comité qui est mis en place, je suis attristé malheureusement. Je suis attristé parce que nous avons l'impression que nous sommes dans la continuité. D'accord? Nous sommes dans la continuité. Pourquoi on ne me nommerait pas président de ce comité d'organisation? Pourquoi? Je suis Gabonais. Pourquoi on ne le ferait pas? Oui, je suis d'accord que son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Moyen-Ogoué, soit le principal concerné, avec des ministres de la République. Mais je suis désolé que tout tourne autour de, on va dire, des ministres. Ils sont des ministres de la République. Ce ne sont pas les ministres de la province. Ce ne sont pas les ministres de la province. Certains sont des conseillers du ministre, d'autres sont des chargés de je ne sais pas quoi. Monsieur Frédéric, je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail parce que j'ai dit et je le redis. Laissez les Migovéens recevoir le président. Laissez le Gabonais lambda, le Migovéen lambda, le gars qui pêche à Nzougué, le gars qui pêche au lac Onangé, au lac Ogemoué, au lac Nkébé, le gars qui pêche à Langène, s'occuper de l'arrivée du président. Le président ne veut pas voir les ministres. Il est tous les jours en conseil des ministres avec eux. En conseil interministériel, ils sont là. Il les consulte quand il veut. Qui le président veut voir exactement? C'est ça la véritable question. Le président a envie de voir la jeunesse du Moyen-Ogoué.
Il a envie de voir le Conseil provincial de la jeunesse, des associations, des regroupements, des collectivités locales. Ce sont des personnes que le président veut rencontrer. Mais quand on regarde un comité d'organisation, on regarde, je ne vois que des mêmes personnes. Des personnes qui étaient hier avec Omar Bongo, qui ont quitté Omar Bongo, sont rentrés à l'opposition, ce n'est plus l'opposition, aujourd'hui c'est le CTRI, ils sont au CTRI. Non, moi je pense que les choses ne devraient pas fonctionner comme ça. Il faut laisser les Migovéens, quand je dis Migovéens, Amour Bekale, nous avons Laetitia Diwekou, nous avons Edgar Edou, nous avons des frères qui sont là, des jeunes, des braves, des bamas. Nous avons des papas qui sont dans le Moyen-Ogou et qui sont capables, comme des pères coutumiers, de recevoir le chef de l'État. Je suis un homme de valeur. Je ne fais pas comme certains jeunes aujourd'hui qui se mettent à crier partout. Moi, personnellement, j'ai fait un recueil de plaidoyer que j'ai déposé à la présidence de la République, j'ai déposé au gouvernorat de Lambaréné, j'ai déposé à la sous-préfecture de Bifuna Banga, j'ai déposé chez le ministre des Affaires sociales, j'ai déposé chez le préfet du département de la Banga Bigné et bien d'autres. À quoi consistait mon recueil? C'est une étude qui a été menée sur le terrain, des enquêtes, des échanges avec les villageois. Comment voient-ils la province? Comment voient-ils le département? Quelle est leur ambition? C'est ça. Ce n'est pas un comité là où on va dire, oui, vous vous appelez comment? Comme vous n'avez pas de nom, mettez-vous de côté. On regarde le président du comité, c'est le nom de tel. Deuxième président, c'est le nom de tel. Chargé de la... Moi, je me rappelle, il y a des jeunes qui ont quitté ce comité. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils n'étaient pas capables de s'occuper de la logistique. Et qu'il fallait nommer une catégorie de personnes qui portent des noms pour parler de la logistique. Mais il y a quoi de sorcier quand on parle logistique? Il n'y a rien. C'est tout simplement des pratiques, on va dire, ancestrales qui demeurent. Mais il est temps de balayer tout ça du revers de la main. Alors, je reprends là-dessus, c'est très important. La jeunesse aujourd'hui, la jeunesse migovéenne particulièrement, a besoin de parler au chef de l'État. Nous ne voulons pas avoir des intermédiaires. Nous voulons discuter avec le chef de l'État face à face. Nous voulons que le chef de l'État entende ce que la jeunesse a à lui dire. Nous avons des problèmes d'infrastructure scolaire. Nous avons les problèmes de certains quand ils terminent des stages à l'université, ils terminent l'école à l'université. Certains n'arrivent pas à trouver des stages d'entreprise. Nous avons des jeunes pêcheurs, des jeunes sableurs. Nous avons des universités. Il faut construire une université à Lambaréné. La question de la RSE. Mais qui bénéficie de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises au niveau du Moyen-Ogou? Qui? Voici les questions que les jeunes veulent échanger avec le président. Mais on nous parle de plaie, on nous parle de commission, de comité, ça va dans tous les sens. Il ne s'agit pas de ça. Nous avons par exemple les villages comme Ebel Abanga, dont je suis originaire. Ça fait 25 ans qu'il existe une centrale d'eau à Ebel Abanga. Mais elle n'est pas exploitée. Les Ebelois continuent à boire de l'eau de la Banga, une eau qui crée des maladies. Certains souffrent des insuffisances rénales. Voilà ce que nous voulons dire du président. Aujourd'hui, le département de la Banga Bigné et le département de Gouélac, le département de Gouélac doit être divisé. Il faut qu'il y ait au minimum 3 départements au Gouélac et 2 départements du côté de la Banga Bigné. Nous, on a fait un plaidoyer dans ce sens en disant, premièrement, il faut transformer la sous-préfecture en préfecture. La préfecture d'Akok doit être une préfecture, c'est-à-dire que la préfecture de la Banga au Goué. Il faut une mairie. Moi, je connais M. Frédéric Biévouna. Il y a des endroits qui n'arrivent pas, Bifuna Banga, la cheville, en matière de développement d'infrastructures. Mais ces endroits sont en commune autonome. Mais jusqu'à présent, on nous parle de district. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Bifuna Weliga est un grand canton. Et Belmenguin est un grand canton. Mais aujourd'hui, il est temps d'ériger ce canton, ces deux cantons-là, en commune. Premier arrondissement, deuxième arrondissement, avec pour commune Akok. Je crois que voici ce que nous on veut dire au président. Pour dire la Banga, le Gouélac, c'est un très grand département, il faut le diviser en 3. La Banga Bigné est un grand département, il faut le diviser en 2. C'est ça nos plaidoyers. La question de Ndiolé aujourd'hui, Ndiolé regorge au minimum la plupart des sociétés forestières et minières du Gabon. Mais regardez Ndiolé, on ne veut pas que les gens qui ont marché avec l'ancien régime viennent dire au président des choses qui n'ont rien à voir avec Ndiolé. Laissez la population de Ndiolé parler au président. Regardez Ndiolé, allez-y, regardez Ndiolé. Ndiolé qui devait être aujourd'hui une mine d'or, malheureusement. Nous, on veut échanger avec le président parce que nous avons tant à dire au président.
Déjà, c'est bien de dire comme MITI, nous avons mis en place, je reprécise encore, c'est nous, c'est un nous inclusif, nous avons mis en place le comité citoyen de Bifunabanga. Je ne suis pas seul dans ce comité, je ne suis qu'un instrument de ce comité, parmi lesquels il y a Brice Mba, il y a Sonia Bongo, il y a Mylène Mbia, il y a beaucoup de personnes qui sont dedans. Ces personnes, nous avons décidé ensemble de mener une lutte, celle de pouvoir apporter un développement au sein de notre district et surtout des plaidoyers. Nous n'avons pas de moyens, Monsieur Frédéric. Le plaidoyer ne nécessite pas des moyens. Ça nécessite tout simplement l'engagement. L'ancien régime ne m'a pas permis, moi, de pouvoir m'exprimer comme je voulais, mais aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre pleinement. Et je crois que toute l'équipe qui m'accompagne, nous sommes libres. Et aujourd'hui, depuis que nous avons commencé, nous avons fait plusieurs plaidoyers. Nous avons fait le plaidoyer au niveau de Bifoun, le plaidoyer au niveau de Belabanga, le plaidoyer au niveau de Yenassi, au niveau de Darlot, de Menguin, etc. Et nous sommes en train de. Nous continuons nos plaidoyers. Le plaidoyer, c'est quoi? C'est discuter avec des autorités compétentes, proposer, suggérer, afin de leur laisser libre recours, de pouvoir analyser de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, le comité citoyen se porte très bien. Nous avons des personnes de valeur. Benoît me vient, le grand frère Benoît me vient du côté de Bifoun. Nous avons la jeune Romina du côté de TP. Donc, il y a plein de jeunes qui sont là. Notre ambition, c'est de défendre Bifounabanga, se battre pour Bifounabanga, sans appréhension. Quand je dis sans appréhension aujourd'hui, il n'y a plus de parti politique, ni d'association politique. Il existe des citoyens qui parlent de leur localité, qui parlent de leur pays. Et aujourd'hui, nous sommes bien placés pour parler de Bifounabanga. Donc, les moyens, nous les trouvons avec nos cotisations, nos maigres cotisations. Récemment, nous avons été au niveau de Bifoun, organisé de 6 ans. Sinon 5 ans, on se retrouve avec des personnes qui meurent encore de morsures de serpent dans un département comme le nôtre, dans un district comme le nôtre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de sérum anti-venimeux, autant pour moi, au niveau du centre médical. Le dispensaire de Bella Banga, ça fait plus de 15 ans qu'il est inopérant, alors qu'il existe un infirmier. On ne sait pas qui doit s'en charger. Nous continuons nos luttes et nous pensons que voilà des choses qu'il faut discuter avec le président pour que ce dispensaire ne soit plus un dispensaire, mais un centre médical urbain. Parce que Ebel Menguin, Bifoun Weliga, mérite d'être des arrondissements de la commune d'Akok. Alors, j'ai compris quelque chose, c'est que vous savez, c'est très bien d'accueillir les amis, les frères, c'est très bien. L'hospitalité, moi, en tant que chrétien, c'est mon engagement, recevoir les gens, c'est pourquoi j'aime bien recevoir les gens chez moi. Mais quand vous devez recevoir un étranger chez vous, vous avez un seul lit, vous lui dites, bon, viens passer un week-end chez moi, et puis il vient avec son père, sa mère, ses poules, ses cabris, il amène son neveu, il amène son grand-père, vous allez les loger où? Le Gabon est confronté à cette situation. J'entends certains dire aujourd'hui, le Gabon, oh, les étrangers nous ont apporté ceci. Ce n'est pas un problème d'étrangers. Quand vous recevez des gens chez vous, il faut que cette personne ait ce qu'on appelle une plus-value. Monsieur Frédéric Guébié, nous parlons de 34% de taux d'immigration au Gabon. Le seuil autorisé par le système des Nations Unies, c'est-à-dire que le maximum, c'est 7%. Sinon, c'est 5%. Mais quand vous arrivez à près de 34%, faites le ratio. Et ça, je tiens à rappeler que ça, c'est l'immigration contrôlée. On ne parle pas d'une immigration incontrôlée, c'est-à-dire des gens qui sont sans papier. Vous imaginez? Regardez les rues de Libreville. Regardez les rues de Libreville. Quelqu'un qui part de chez lui, il est handicapé. Je ne suis pas contre les handicapés. Il est aveugle, non-voyant. Il ne marche pas. Il se retrouve avec une carte de séjour. Comment vous expliquez ça? Ça veut dire que l'ancien système a laissé ce pays dans un chaos total. Et là, je rejoins certains ancêtres comme Luc Bengonsi. Moi, j'ai compris ce monsieur. C'est une valeur, c'est la seule et unique valeur qui nous reste au Gabon, Luc Bengonsi. C'est un trésor national. C'est quelqu'un qu'il faut protéger parce qu'il a tellement aimé le Gabon, il aime tellement le Gabon qu'il est prêt à donner sa vie pour cette nation. Et quand je l'entends parler, je sens en lui plus qu'une fibre patriotique. Il a dit qu'on était dans un pays où on n'avait que des étrangers. Quand vous vérifiez les nationalités de toutes ces personnes qui ont géré le Gabon, ils n'ont que des nationalités douteuses. Et aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nous sommes en train de vivre. Tout le domaine du transport entre les mains des étrangers. Les 99%. Et quand on parle de ça, certains sont dans l'illégalité. Et on a ce qu'on appelle la fuite des capitaux.
Le Gabon n'arrive pas à se développer parce que l'argent du Gabon va à la gare routière. Ils envoient ça dans les chocolats, dans les conteneurs, ils envoient ça. Mais non, monsieur Frédéric, c'en est trop. Alors, premièrement, il faut faire un recensement général des personnes qui détiennent des cartes de séjour légalement au Gabon. Il faut que le CEDOC audite toutes ces personnes et fasse des enquêtes pour déterminer quelle est la raison de leur situation au Gabon. Parce que quelqu'un qui a demandé à venir au Gabon pour 3 mois, il se retrouve à avoir une carte de séjour depuis 10 ans. Mais qu'est-ce qui le maintient au Gabon? Qu'est-ce qu'il fait au Gabon? Qu'est-ce qu'il apporte au Gabon? Il faut que le CEDOC fasse, l'immigration fasse ce travail-là. À partir de ce moment, si on ne trouve pas que vous avez des raisons valables, vous n'avez pas un apport favorable, cette personne paye des cautions. Et ça, il faut que les Gabonais le comprennent. Ils payent des cautions de rapatriement. La personne qui a mangé les cautions de rapatriement, là, si ça a été mangé, il faut que la personne rembourse. Sinon, elle va en prison, comme a dit le président. C'est comme ça. Et quand on constate que vous êtes au Gabon, vous vendez les colas et vous avez une carte de séjour, on ne veut pas les colas au Gabon, on n'en veut pas. On veut des ingénieurs, on veut des maçons, on veut des plombiers, on veut des personnes qui arrivent au Gabon avec une plus-value. On veut des ingénieurs, on veut des scientifiques. Mais vendre la tomate, mon frère, en 1980, on ne mangeait pas la tomate au Gabon? Et à cause de ces immigrés clandestins-là, on a de la tomate qui grandit en moins de 1 mois. Et puis, ce taux de mortalité au Gabon que nous avons, vous pensez que ça vient de quoi? Certains m'ont même dit, oui, si ces étrangers partent, vous allez manger quoi? Mais je leur ai posé la question qu'avant qu'ils n'arrivent, on mangeait quoi? L'espérance de vie au Gabon était à près de 80, on était jusqu'à 80 ans, mais depuis un moment, on est à 52 ans. Et si je vous dis ce qui se passe aujourd'hui, si je vous sors des chiffres au niveau de taux immigratoire au Gabon, vous allez crier, monsieur Frédéric, vous allez crier. Donc, c'est une question cruciale pour moi. Et je veux m'engager corps et âme pour qu'un étranger qui ne sert à rien au Gabon, qu'il retourne chez lui. Celui qui apporte au Gabon, avec qui le Gabon peut échanger, on le garde. Je tiens déjà à vous remercier pour le travail que Panafrique Média fournit depuis un certain temps. Je vous observe depuis le commencement. Je tiens à féliciter vos actions, vos engagements, votre professionnalisme surtout, parce que ce n'est pas par hasard, je ne sais pas qui vous a donné mon numéro, ce n'est pas par hasard que vous êtes venu. Certainement, vous suivez mes actions depuis fort longtemps. Et vous voir ici aujourd'hui, ça m'a étonné, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que vous êtes à l'affût de l'information. Déjà, vous féliciter et remercier votre engagement. Et aujourd'hui, dire, nous avons des choses à faire. Il faut qu'on se prépare pour construire le Gabon. Et je me tiens prêt à véritablement construire le Gabon avec des autorités en mise en place. Et mon plus gros combat, c'est ma province. Et je ne cesserai de me battre pour le Moyen-Ogoué. Non, je ne cesserai jamais de me battre pour le Moyen-Ogoué. Et Dieu merci, j'ai une plateforme qui me permet de pouvoir m'exprimer, le CTR est arrivé. Et je crois fermement qu'avec ça, avec le CTR, nous sommes capables d'aller loin et de faire du Gabon un des plus beaux pays du monde. Je ne parle pas d'Afrique, l'Afrique est trop petite. Je parle du monde, un des plus beaux pays du monde. Donc mon mot de fin, c'est dire que la patrie, que la fibre patriotique puisse vivre en chacun d'entre nous. Que le Gabonais comprenne que le moi-moitisme ne peut pas construire un pays. On construit un pays avec le nous. Et les intérêts du Gabon doivent passer avant tout. Si je ne suis pas nommé, pourquoi je dois me fâcher? Non. Malheureusement, ce que j'entends dans la toile, oui, pourquoi tel n'est pas nommé, mais on ne peut pas nommer tout le monde. Monsieur Frédéric, on ne peut pas nommer tout le monde. Encourageons ceux qui sont nommés, accompagnons ceux qui sont nommés, motivons ceux qui sont nommés, afin que demain, lorsque nous aussi on sera à cette place-là, que nous puissions faire mieux. C'est ça mon mot de fin.